Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Nous sommes le dimanche 1er septembre 2024, il est 17h et j'ouvre la 35e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches à 17h. Toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit noir sur blanc et en audio. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de véritables conversations noires sur blanc et en audio que j'ai enregistrées. Ce qui fait que je peux toujours vérifier les informations que je partage avec vous en consultant mes fichiers. Vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube numéro 2023, Trait d'Union 115 et dans mon livre Premier Contact. Aujourd'hui, nous allons découvrir les Agartiens qui occupent le siège numéro 8 de la Fédération Galactique. Les sièges occupés au sein de la Fédération Galactique sont listés par ordre numérique croissant et leur occupation par ordre d'attribution au fil des millénaires par les lignées suivantes. Numéro 1, les Arcturiens d'Arcturus. Le siège numéro 2, les Andromédiens d'Andromède, les sièges 3 et 4 occupés par les Pléiadiens de Tégète, le 3 par Procyon et Dakoté et le 4 par Héra et Témère, le siège numéro 5, les Alphratiens d'Alpha du Centaure, le siège numéro 6, les Syriens de Sirius A, B et C, le numéro 7, les Vénusiens de la planète Vénus, dans le système Sol 13, c'est-à-dire notre système solaire, le numéro 9, les Urma du système Vega Lyra, le numéro 10, les Antariens d'Antares, le numéro 11, les Lyriens et Véganais du système Vega, et le siège numéro 12 par les Étortants de la constellation d'Orion. Je vais maintenant vous parlez de l'histoire ancienne de la Terre et de celle des Agartiens. J'ai eu cette conversation avec Zen en live le 30 mars 2021. C'est donc plutôt récent. Donc je rappelle encore une fois que ces communications, ces conversations, pas toutes puisqu'il y en a en audio, sont toutes noires sur blanc à l'écrit en live. Et donc, il m'est facile de récupérer les textes que j'ai enregistrés. L'environnement au sein duquel cette histoire des Agartiens m'a été racontée est celle du monde antédiluvien, c'est-à-dire le monde qui existait avant le déluge terrestre et avant que la planète Tiamat ne se désagrège. La planète Tiamat existait encore à ce moment-là et on la voyait comme on voit la Lune de nos jours. Et on voyait aussi plus clairement Saturne qui était plus proche de la Terre. Donc je rappelle que la planète Tiamat se situait entre Mars et Jupiter et où on voit maintenant, comme vous le voyez sur l'encart, la ceinture d'astéroïdes qui est en partie composée des restes de Tiamat. La Lune des Terriens de l'époque était la planète Tiamat. On la voyait de la Terre parce qu'elle était beaucoup plus volumineuse que la Terre et elle n'avait pas encore disparu. La Terre à cette époque était couverte de forêts et de très vastes plaines qui ont aujourd'hui disparu. Il y avait sur Terre un seul continent avec de nombreux lacs. Il n'y avait pas de mer ni d'océan et on pouvait faire le tour du monde à pied. Toutes ces contrées lointaines qui sont mystérieuses de nos jours, mais qui sont pleines de souvenirs antiques, sont désormais immergées sous l'eau du déluge. L'Atlantide et la Lémurie sont les deux grands Occident et Orient où
l'Est et l'Ouest de cette époque, et ils se confrontaient inlassablement dans des guerres de longue durée. Aujourd'hui, ces connaissances se sont perdues sur Terre et l'existence même de l'Atlantide et de la Lémurie est mise en doute, sans parler de la mémoire des civilisations précédentes. C'est un cycle éternel de croissance, d'expansion et de décomposition et destruction. La Terre, à cette époque, c'était 400 millions d'années de civilisations avancées, toutes technologiques, avec des personnes de sagesse, des capacités interstellaires. C'est notre vrai passé et ces civilisations avancées sont nos vrais ancêtres. L'Atlantide correspond à l'Occident de nos jours. Ce n'était pas un continent, mais une société, une culture. Et c'était aussi le nom de la capitale de cette culture, Atlantis. Il était situé sur le continent des Appalaches et de nos jours sous l'Atlantique Nord, la région des Appalaches dans l'ouest des États-Unis, la Caroline du Nord et le Kentucky et le Tennessee. La Lémurie ou Mu à l'Orient, là non plus, ce n'était pas seulement une zone géographique, mais la capitale d'une civilisation et d'une culture. La Lémurie, la civilisation, Mu, la capitale, qui se trouvait sur la rue d'Océana, aujourd'hui l'Océanie. Mu a été fondée par différents groupes de Lyriens et de Pléiadiens qui développèrent une première colonie qui fut tellement florissante que plein de monde l'a rejointe, y compris ceux qui fuyaient la tyrannie de l'Atlantide. Puis Tiamat s'est désagrégée. Et toute la terre a été inondée. C'était ce que l'on appelle le déluge sur terre. La grande majorité des populations s'est noyée, mais les survivants de la Lémurie ont fui vers ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et le Japon. Les survivants de la Lémurie, dans leur fuite et leur relocalisation, découvrent des cavernes sous le mont Shasta, de nos jours, près de Sacramento, en Californie, en Amérique du Nord, aux USA, et ils y descendent le plus profondément possible. Les survivants de l'Atlantide, de leur côté, fuient vers les hauts plateaux des montagnes qui ont été épargnés par l'eau. C'est aujourd'hui l'Irlande et les hautes terres d'Écosse et d'Angleterre. Et ils y seront connus plus tard sous le nom de Celtes. Les Lémuriens survivants de la Lémurie sont des Pléiadiens qui se sont mélangés à l'Homo Atlantis, qui est la race adamique, qui est le résultat d'une manipulation génétique entre des humains terriens et des Lyriens dans le but de créer des esclaves pour la société reptilienne. Les Agarthiens sont des ex-Lémuriens, donc hybride lyrien-pléiadien. Ils font donc partie des humanoïdes célestes en compagnie des terriens, des centauriens de Toseti, des ariens d'Orion, des humites de Wolf 424, des sassanides du Triangle, des antariens d'Antarès, des syriens de Sirius et des pléiadiens de la main des Pléiades dans le taureau. Leur système solaire est Sol 13, bien entendu, puisque leur société est souterraine. C'est le même système solaire que le nôtre, puisqu'ils sont originaires de la planète Terre. Ils ne sont pas distants, puisque leur civilisation est souterraine. Et ils n'ont donc pas besoin d'être en orbite terrestre, donc ils ne possèdent pas de vaisseau. Ils utilisent ceux des Vénusiens s'ils ont besoin de voyager dans l'espace. On les appelle aussi les Télosiens du mont Shasta ou les Vulcains comme Mr. Spock dans Star Trek. Mais ils n'ont pas de planète appelée Vulcain comme dans Star Trek, c'est inexact. Ils possédaient encore des technologies de pointe, même s'ils en avaient beaucoup perdu dans le déluge, mais ils les ont utilisées pour former une civilisation intraterrestre avancée. Peu à peu, pendant des milliers d'années, ils se sont répandus dans le monde entier, mais
toujours dans des bases souterraines. Car c'est à cette profondeur, la matrice fréquentielle à 7,83 Hz est faible. Leur fréquence est très élevée. Leur volonté de bien vivre et d'être heureux les ont maintenus en cinquième densité ou mini cinquième densité. Leur capitale s'appelle le Grand Shambhala. Leur langage s'appelle aussi Shambhala. Et en sanskrit, le mot Shambhala veut dire lieu de paix ou lieu de silence, qui est mentionné dans des textes anciens de la culture Zhang Zung, qui s'est répandue dans le bouddhisme tibétain de l'Ouest. Cette capitale Shambhala, appelée Shambhala Major, se situe de nos jours sous le désert de Gobi, en Mongolie, au nord de la Chine. Une autre de leurs villes pionnières est Shambhala Mineure. Donc on a Shambhala, la capitale Shambhala Majeure, et une autre ville importante, Shambhala Mineure. Cette ville est une immense base souterraine très secrète dans les Himalayas. Les Agartiens ont des villes souterraines partout dans le monde et c'est une société planétaire. Ils contrôlent les deux entrées du pôle Nord et du pôle Sud et ils ont également une ou plusieurs entrées du côté du mont Shasta. Le mont Shasta est un stratovolcan encore actif qui se situe en Californie, à l'ouest des USA. Il est constitué de quatre cônes séparés, ensevelis les uns sur les autres. Son altitude est de 4317 mètres et il est à 3000 mètres au-dessus de la plaine alentour. Les Amérindiens de la tribu appelée Lore, Lore, qui habitaient la région, pensaient que le mont Shasta était habité par l'esprit du chef Skell, Skell, qui était descendu du paradis vers le sommet de la montagne, et ils ne disent pas s'il est descendu en vaisseau spatial, mais on peut le supposer. Et c'est aussi le lieu d'un monastère bouddhiste, Shasta Abbey, fondé il y a plus de 50 ans, en 1971. En Californie, le mont Shasta a fait l'objet d'un nombre inhabituellement élevé de mythes et de légendes. On dit souvent qu'il cache une ville secrète nommée Telos sous ses sommets. C'est pour ça qu'on appelle aussi les Agartiens des Telosiens. Mais selon Zen, les Telosiens étaient peut-être les ancêtres des Agartiens. Alors que je discutais avec Zen en 2021, il y eut une invasion reptilienne d'une des bases agartiennes. Les bases des Agartiens sont à 1 000 km sous terre et celles des reptiliens à 100 km sous terre, mais ils partagent tous les deux les mêmes entrées du pôle Nord et du pôle Sud. Jusqu'à 2018-2019, tout se passait très bien. Mais les reptiliens se sont introduits dans les bases agartiennes et ils ont tué tous les Agartiens. Il y a eu de très lourdes pertes du côté des Agartiens tout autant que du côté des reptiliens. C'était une guerre dévastatrice à laquelle j'ai assisté par l'entremise de Zen qui me tenait au courant minute par minute et les vaisseaux des Pléiadiens, des Antariens, des Alphratiens et d'autres lignées qui font partie de la Fédération galactique étaient situés autour des entrées du pôle Nord et du pôle Sud justement pour les bloquer. Finalement, dans la base qu'ils ont attaquée, il ne restait plus qu'une poignée d'Agartiens. On leur a demandé s'ils souhaitaient être délocalisés dans l'espace sur une autre planète qu'eux-mêmes, que leur lignée. Mais les survivants ont refusé et ils ont depuis restauré leur base. Mes contacts pensaient qu'ils avaient perdu le contrôle des deux entrées polaires. Les Agartiens ressemblent à des terriens, puisqu'à l'origine, si vous vous souvenez, ce sont des hybrides entre des terriens et des pléiadiens ou des terriens et des lyriens. Leur peau est si blanche que l'on peut voir leurs veines par transparence. Ils ont des yeux bleus extrêmement pâles, presque blancs. Ils ont la même morphologie que la nôtre, 10 doigts, 10 orteils, et ils nous ressemblent énormément, sauf que certains d'entre eux
ont des oreilles en pointe et ils ont un regard qui est pas celui des terriens, disons. Beaucoup d'Agartiens ont des cheveux blancs et toute cette blancheur est semblable à celle de toutes les races animales qu'ils vivent dans le noir et dans l'ombre des cavernes. Leurs yeux sont extrêmement sensibles et ils préfèrent l'ombre à la lumière du soleil. Mais il y a aussi parmi eux des individus qui ont une couleur de peau comme la nôtre, donc un peu rosée, voire plus basanée, et des cheveux foncés, ainsi que des yeux verts. Ils ont souvent, comme je l'ai dit, des oreilles pointues, mais ça, on ne peut pas généraliser. Ils sont positifs, ils ne se dématérialisent pas, comme certaines autres lignées extraterrestres, et ils sont hautement télépathiques. Ils se sentent supérieurs aux terriens. Ils sont extrêmement timides et ils se perçoivent comme étant fragiles. Ils ne communiquent pas facilement et ils ont beaucoup de maîtrise de soi. Ils ne sont pas émotionnels et n'expriment pas d'émotions, ou tout au moins pas de la même manière que les terriens. Ils se reproduisent comme les terriens. Leurs vêtements ressemblent à ceux des samouraïs en civil. Ils ont une société holographique au service de l'autre qui est basée sur la logique et la connaissance brute et directe. Lorsqu'ils s'adressent à vous, ils sont extrêmement directs et ils n'ont pas peur de dire les choses, même s'ils sont timides. Leurs mots et leurs phrases peuvent sembler secs, sans émotion et quelquefois dur par rapport à notre propre manière de nous exprimer. Ils ont des technologies avancées par rapport à celles des terriens. Ils étaient très impliqués dans les affaires terrestres et ils le sont toujours. Et j'ai moi-même eu des contacts directs avec eux. Leur implication concerne la génétique et la création d'hybrides terriens pour faire des changements génétiques qui est un résultat définitif ici sur Terre.